Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des animaux sauvages avec une arme de mêlée. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des animaux sauvages de Fortnite. Cependant, c'est un peu aléatoire, parfois les animaux sauvages apparaissent et parfois ils n'apparaissent pas. Donc là par exemple, j'étais à Retirove, logiquement ici il y a souvent des animaux sauvages, mais comme vous pouvez le voir, ben il n'y en a pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit véhicule, regardez là il y en a un, juste en face de moi, et je vais chercher après d'autres animaux sauvages. Donc là regardez, j'ai trouvé 3 sangliers. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est prendre votre pioche et ensuite vous allez devoir piocher ces animaux sauvages. Donc il va falloir infliger 42 dégâts pour terminer le défi. Donc là j'ai infligé 22 dégâts, normalement je le retape encore une seule fois et ça devrait valider le défi. Cependant je ne savais pas que quand je tapais un sanglier, il avait peur de moi, j'étais pas au courant de ça. Mais là il est en train de me fuir, donc j'ai réussi à le toucher une deuxième fois, donc logiquement si le défi serait déjà disponible, là j'aurais terminé le défi, mais bon, comme je fais les vidéos en avance, le défi n'est pas encore disponible. Par contre, il est bien galère celui-là à pourchasser. Pire des cas, vous le faites sur un autre. Ah, il s'est stoppé. Et évidemment, j'avais pris mon arme. Attendez, je vais essayer quand même de le tuer. Hein. C'est quand même le but de la vidéo là. Ah, regardez, j'ai peut-être une idée. Je vais essayer de m'avancer en étant accroupi pour voir ce que ça fait. Et non, il me fouille toujours. Ok, donc là il m'attaque, ok, donc là je vais pouvoir le retoucher. Donc en fait, il a peur, mais il m'attaque quand même. Ok, encore une fois, je l'aurai terminé. Voilà, vous avez juste à tuer un ou deux animaux. Enfin, normalement, avec deux coups de pioche, ça devrait suffire. Mais peut-être que comme je suis en labo de combat, je fais plus de dégâts. Parce que non, 22 dégâts, je me souvenais pas qu'on faisait 22 dégâts avec la pioche. Je pense que c'était 10. Hein. Normalement, c'est 10, mais bon. Voilà, je sais pas si ça a changé ou quoi. Ok, il s'est pété la gueule sur la barrière. Ok, parfait. Donc, j'ai réussi à le terminer. Alors, bien entendu, ça fonctionne avec les T-Rex, enfin, les petits dinosaures là, les sangliers, les poules, les loups et peut-être les grenouilles, mais je ne suis pas sûr. Hein. Les grenouilles, je ne sais pas s'ils comprennent ça comme un animal sauvage. Si vous essayez sur une grenouille et que ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça, ça pourra peut-être aider la communauté. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulomike et ciao. Peace.